Hi Charles. On fait du vélo nous. Fast! Let's go, Kaden, fast! Back, back! Who? Which one? Which one? Ronaldo. Huh? Chelsea's asking me if Cristiano Ronaldo is her cousin because he's from Portugal. I said to her, if he was our cousin, then it would be crazy. Huh? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous ai remontré encore un peu mes bijoux de chez Aparisienne, d'ailleurs ma bague aussi, parce qu'on me demande énormément en fait, tout le temps. Regardez, c'est la collection trop mignonne, j'adore. Ça c'est parfait avec les enfants, comme ça ils ne m'agrippent pas. Vous savez que moi j'ai très beaucoup d'oreilles, bijoux d'oreilles, et on me demande énormément sur les commentaires de mes photos, de mes stories, etc. Donc pour que vous sachiez, les uniques bijoux que je porte au quotidien sont les bijoux de chez Aparisienne. En ce moment c'est vraiment ma cam et j'ai fait plein de commandes dessus, donc tous les bijoux que vous voyez sur moi en ce moment, les colliers, les boucles d'oreilles, les bagues, sont de chez Aparisienne. Donc je vous laisse découvrir le site, je vous mets le Instagram également. Et en ce moment, avec mon code promo, vous avez moins 20% sur votre commande. Donc profitez-en, les amis. Tout se passe sur le site d'Aparisienne avec mon code promo Jazz20. Et puis voilà, et préparez vos cadeaux de Noël. C'est dans quelques jours. Ça va trop vite, ça va trop vite. Il y a tout à préparer. Bon, genre, ça va être le genre de truc qui m'excite de ouf. Et puis surtout, vous avez des bijoux de qualité qui ne s'oxydent pas, qui sont jolis, qui sont tendance à petit prix. Tout se passe chez Aparisienne. Et d'ailleurs, petite précision, pour celles qui vivent à Marseille, ils ont une boutique là-bas directement, vous pouvez vous rendre. Bon, sinon, je voulais vous parler un peu de ma life. Vous savez quoi, en ce moment, j'ai trop mal au genou. Voilà, je crois que je vieillis, les gars. J'ai grave mal au genou tout le temps et à la cheville, donc je fais super peur. Donc j'espère que c'est rien de grave, que c'est juste normal, quoi. C'est, je sais pas, j'en sais rien. Je vais essayer de me mettre au sport, voir si c'est pas ça, je sais pas. Mais j'espère que j'ai pas des trucs comme ma mère, parce que ma mère, elle a eu les ligaments croisés plusieurs fois, la cheville et tout. J'espère que c'est pas génétique, son bordel. Hein. D'ailleurs, ma mère, elle arrive dans 2 jours, Inch'Allah, à Dubaï. Je suis trop contente. Et du coup, j'ai une énorme surprise pour ma mère et pour vous. Le 14 décembre, donc la semaine prochaine. Retenez bien cette date, le 14 décembre. C'est une très grosse surprise et pour ma mère et pour vous. Bon, sinon cette année, du coup c'est pour la première fois, c'est logique, je suis con.
J'allais dire cette année, on a décidé, ben non, c'est normal. London va avoir un an, donc dans 3 jours, le 8. Et Chelsea va avoir 5 ans, le 12. Mais les vacances scolaires à Dubaï, c'est le 9. C'est vendredi, c'est les vacances scolaires. Donc tout le monde part rejoindre leur famille pour les fêtes et tout. Donc j'ai décidé de faire 2 anniversaires en un. Donc le 9 décembre, nous avons fêté l'anniversaire de London, les 1 an de London et 1 an de Chelsea. London, j'ai pris thème Coco Melon. Et Chelsea, le thème disco. Voilà, donc c'est une fête pour les enfants. Ils vont s'éclater, je suis contente. Et du coup, je suis en train d'inviter... Mommy, what a please. C'est là, mon cœur, dans le petit frigo. Et du coup, je suis en train d'envoyer toutes les invitations. J'aime pas... Bon, je sais que vous êtes beaucoup aussi à me dire pourquoi t'as remis un peu des filtres et tout. J'ai eu ma période là où je me sentais pas bien du tout. Donc, quand je vous ai expliqué, je me sentais trop mal. Et du coup, j'ai commencé un peu à remettre. Et finalement, j'ai repris l'habitude. Et là, par exemple, vous voyez, j'ai fait ma story pin-up pour vous là, dans la douche. Et je l'ai fait sans filtre pour que vous voyez ma peau. En fait, je ne sais même pas pourquoi je mets un filtre. Je vous dis la vérité, je vais vous montrer. Bon, les amis, je viens de faire mon soin pin-up, savon lait de chèvre, pose de masque, plus crème précieuse. Là, vous voyez ma peau sans filtre, je filme avec la caméra du téléphone, même pas sur Instagram. Donc au moins, vous voyez tout bien, bien, bien. Voilà, peau nickel, je suis bien contente. En tout cas, les amis, pour les fêtes de Noël, vous avez moins 35% sur le site de Pin-up Secret. Et la livraison offerte en France métropolitaine. Donc profitez-en. Tout se passe ici, ici, avec mon code promo. Allez, et bah, et le filtre, on arrête. On s'assume. Bon, sinon, j'avais une vraie question très très importante à poser à toutes les femmes ou pères, ou les pères, qui ont un fils. Je sais pas trop comment le tourner. Donc je vais essayer de faire au mieux. Que vous compreniez sans choquer qui que ce soit et que les gens commencent à faire des scandales parce que comme je suis diaspora, forcément ça fera un scandale. Mon fils a un nouveau jeu où il fait des trucs un peu limite quoi. Donc il joue un peu à frotti frotta. En fait je m'étais pas rendu compte qu'il le faisait pour être très honnête dans un coin. C'est Chelsea qui m'a dit une fois. J'ai pas vraiment soulevé parce que je l'avais pas vu de mes yeux faire ça. Et maintenant, il vient se coller un peu à moi, pour être très honnête, voilà. Pour le faire sans rentrer trop dans les détails et que ça fasse de bordel. Voilà, il vient un peu se coller à moi. Je sais pas trop comment réagir. Ils disent qu'il faut pas trop réagir, etc. Qu'il faut pas lui dire que c'est pas bien non plus parce que ce serait pas bien. Mais il faut pas laisser faire non plus, enfin c'est un peu fou. Donc je vais mettre une boîte à questions ici. Si toutes les parents qui connaissent ça ou qui ont déjà vécu ça avec leur fils... peuvent me dire quelle est la meilleure solution pour réagir face à ça en fait. Parce que je veux pas en faire un traumatisme, je veux pas en faire un bug, je veux pas en faire un sujet non plus, qu'il ait l'impression que ce soit drôle. Donc je fais un peu genre que je comprends pas. Mais si vous avez des conseils à me donner, je suis archi preneuse. Bon, je pense que maintenant que c'est fini, vous avez compris l'idée du jeu. En fonction de vos réponses, une de ces 4 personnes, donc Laurent, Emine, Sarah ou Hilary, je lui ferai vivre une journée de rêve, une journée d'enfer, une journée d'adulte ou une journée d'enfant, une journée à 10 euros ou une journée à 1000 euros. En fonction de vos réponses, ça peut faire un truc de ouf. Mais supposons... Non, je peux pas vous donner les idées. Mais en fait, donc, ça peut être une journée de rêve. Enfin, je vous explique. J'attends quelques heures et selon les stats, je pense qu'on va réguler. Je pense qu'on va vraiment rigoler. Ah oui, désolé, les gars, je ne vous ai pas demandé votre consentement, mais faudra faire avec. Mon mari, c'est carrément le meilleur du monde entier. Il est parti rejoindre Guillaume et Julien, là, mais il m'a déposé un McDo à la maison.
Je suis en bombe, je descends manger mon domac. Je vous le filme parce qu'en fait, il n'y a plus personne chez moi là. Mon domac, il est là. J'entends un bruit et puis je lui ai dit, tu te fais chier dans ta vie? Il me répond, oui. Bah viens. T'es au bout du rôle. Viens, viens, je te partage mon big. Mon big. C'est mon Mac. Allez, viens. Bon, perso, c'est lundi, mais moi, je vais regarder mercredi. Cette série là, c'est une dinguerie cette série mercredi. Est-ce que vous l'avez regardé vous? Bon, en tout cas, pour tous ceux que ça intéresse, mon sweat oversize vient de chez Sweet Plaid. Donc, c'est un énorme plaid. Hein. Voilà, c'est vraiment en matière de plaid. C'est super long. Tu peux le rentrer en entier. C'est genre vraiment oversize. Ça existe pour les adultes et pour les enfants. Vous en avez couleur unique, rouge, rose, bleu, je crois. Et plein d'autres. Et puis après, vous en avez plein avec des designs. Moi, j'ai la peau de vache, c'est mon préf. Et Chelsea, elle a la Unicorn. C'est son préféré. Ils sont canons. Voilà, c'est juste hyper confortable. Moi, j'ai commencé à collaborer avec cette marque il y a quelques années, il y a 3-4 ans, je crois. Bon, déjà, quand tu pars en avion, la base, genre, t'es trop, trop bien calé. Parce que quand tu vas en avion, généralement, tu mets le jogging et tout. Avec le sweat, t'es trop calé. Quand t'es dans le froid, genre montagne, la France, l'hiver, tout ça, t'es trop calé. Et quand t'es à la maison, t'es trop calé. C'est-à-dire que, genre, au lieu de prendre un plaid, me jeter sur le canapé avec le plaid et tout, nous, on enfile les sweat plaids et tu te sens super bien. C'est trop cosy. Du coup, je voulais vous donner un code promo pour cette marque, pour que vous puissiez en profiter, vous l'offrir pour les fêtes de Noël. C'est super sympa. Et les rouges, ils sont très beaux d'ailleurs pour Noël. Bon, en tout cas, que vous sachiez, il y a eu énormément de contrefaçons de sweat plaid. Je dis contrefaçon, c'est peut-être pas le mot employé, mais genre plein de copies en tout cas de sweat plaid. Sweat plaid, c'est la marque numéro 1 qui font ces pulls oversize et qui sont hyper confortables. Donc je vous laisse tout découvrir sur le site web que je vais vous mettre là. Et vous avez moins 30% avec mon code promo de Jazz30. Donc profitez-en. Et puis généralement, je vous conseille d'en commander pour la famille d'un coup. Parce qu'au moins, vous les recevez tous en même temps. Il n'y a pas de jaloux parce que sur la vie de ma mère, j'ai fait l'erreur une fois de demander à Sweet Plaid de m'en envoyer un quand les designs sont sortis. C'est simple, c'est le genre de truc où t'es barbé. Ça, c'est comme les briquets. C'est comme ce genre de truc, un paquet de chips, un paquet de bonbons que tu laisses, t'es toujours barbé. Le Sweet Plaid, si t'en as pas plusieurs à la maison, tu te fais barber en 2 secondes par quelqu'un, c'est certain. Bonne nuit tout le monde. Moi, je vais me faire ma série. Avec mon doute, bien sûr.